Les deux disques sont ouverts. Pas la couleur, hein. L'état. Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel opening Yugi. Aujourd'hui, on ouvre deux displays, les grands créateurs. On va voir ce que va donner l'opening et puis on espère avoir évidemment les meilleures cartes. Si on peut avoir deux collectors dans deux displays, ce serait vraiment le top. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Je vais passer sur les rares pour essayer de se concentrer évidemment sur les 48 foils qu'on va avoir dans les deux displays. Allez, on est parti. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas ouvert. Une boîte poubelle, une boîte qu'on va mettre mes rares. Une rare et foil à proximité. Tac. Alors, et nous avons un Zector Picofalina. Et dans les rares, voilà, vous avez Hommage Torrentiel par exemple, il y a de l'Exauceur, vous avez Castel également, très bien Castel, très bonne carte. Je regarderai les rares après. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les foils. Les rares, je regarderai après pour essayer de me faire le deck Exauceur. J'essaierai de vous proposer un truc, on verra bien ce que ça va donner. Univers Xyz. Il y a de l'Exauceur. Arsenal Secret également, c'est pas si mal. Tracker psychique. Oh non, la display qui s'en va. J'ai enlevé le haut et du coup elle fait une gueule bizarre. Tac. Super, un double. Ça commence bien. Et puis un Zector. Lien des camarades, très bonne réédition également. Il y a des bonnes choses à faire. Alors honnêtement, quand j'ai placé le display, techniquement j'ai un display devant moi et un display à l'arrière. On verra bien ce que ça va donner. Je me retourne pour pas la caméra. Cool. Ah ça c'est bien. La Zektaku, c'est une excellente carte pour un archétype déjà existant, un Zector. Konami avait fait un tournoi sur Twitter, je crois, pour déterminer quel archétype recevrait une carte de support. Donc, c'est cette fameuse carte de support qui a été. C'est une carte pour un Zector qui a été votée. Et du coup c'est celle-ci qui est arrivée. Un Zector Libellule. J'espère vraiment pas avoir une collector de style un Zector Libellule. Je vous le dis honnêtement. Ça ne m'intéresse pas. Je veux soit les exauceurs en collectors exauceurs, ça me va. Collectors jetant en tuerie, ça me va. Exauceur Gibrine. Exauceur Gibrine. Collectors hommage torrentiel, ça me va également. Collectors téléporteur d'urgence, ça me va. Assaut solennel, voilà. Assaut solennel, ça me va. Ok. Donc là, on vient de se taper deux doubles déjà. De double, c'est vraiment un plaisir, hein. J'apprécie. Donc il y a beaucoup de sorties qui sont prévues sur février. Donc on verra ce qu'on va ouvrir. J'ouvrirai pas Cavalier de Griffon. Et très bonne carte ça. Ça c'est recherché pour l'archétype jeton aventurier. C'est celle qui permet de faire une negate sur le terrain gratos qui retombe dans le deck. Si on a un jeton aventurier sur le terrain. Et un punk. Alors les punks par contre c'est vraiment l'archétype qui ne m'intéresse absolument pas du tout. Je le dis, si jamais vous êtes intéressé par la lecture d'une carte, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et de prendre le temps de la lire. Moi je vous avoue que j'ai déjà regardé pas mal de vidéos et que je sais déjà les cartes que je veux et celles que je ne veux pas. Par exemple ça c'est pour l'archétype jeton aventurier. Non pas que l'archétype ne m'intéresse pas, mais à choisir. Je préfère vendre les cartes jeton aventurier. Ce qui va me permettre d'ouvrir des boosters parce que je préfère maintenant ouvrir des boosters que jouer en compétitif. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur mon deck. Vu que mon deck, c'est le même que j'utilise sur Master Duel, je vais y arriver, que dans la vraie vie. À deux cartes près. Et il s'agit de Seigneur Lumière. Une variante de Seigneur Lumière. Donc normalement c'est 3 ultras par display, on va voir ce que ça va donner. Exauceur Vaelis. On verra ce que ça va donner. Donc là on approche de la moitié de la première display. Une seule ultra, pas de collector. Deux ultras, Rite de l'Aramessir. Alors Rite de l'Aramessir, elle est actuellement en français. Donc là j'ai 40.
pense pas que ce soit la version française. Pardon. Ok, donc je pense qu'il y a un problème sur Card Market. La première, elle est à 109. On va pousser. La première en française, elle est à 109. Ok, très bien. Donc concrètement, ça veut dire limite que je viens de me rembourser une boîte et demie, là. Je veux bien deux rites de la ramessière. Si je peux... Elle existe en collector ? Elle existe en collector. Mais bon, là, je la vois à 40, donc on va dire qu'elle est à peu près aux alentours de 40 euros, de manière globale. Et non pas à 100 euros. Parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup sur le marché. En fait, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, je pense. Probablement parce que bah, les gens les gardent. Et du coup, les peu qui les vendent, ils les mettent hors de prix. Je peux pas expliquer pourquoi est-ce que la première française, elle est à 109 balles. Ah tiens, ça soignait justement. Ah, Stella. Donnez-moi-en des exauceurs, j'en veux. Hein. Vraiment, j'en veux. Hein. Faudra arrêter de ne pas m'en donner. Hein. J'ai quasiment rien. Tac. Mon rite de l'Armésir qui apparemment est l'ultra la plus chère. Donc du coup, par défaut, la collector la plus chère. Exauceur va 10. Allez, encore un double. Les rares, de toute façon, on en fait vite le tour. Hein, je vous le dis honnêtement. Là, avec le display, j'ai largement avoir toutes les rares. Le plus important, c'est vraiment la foil. Souffle de la résurrection. Ça fait deux aussi. C'est limite si je vais pas avoir toutes les super en double. Bon, j'espère pas. Hein. Eh bien, on verra bien. Alors. Sophia, bah voilà. Sophia en ultra, Sophia en ultra, ça ne va rien coûter. Sophia en ultra, ça cote. Ça cote page 2. Exauceur Sophia en FR. La première, elle est à 10 euros. Voilà. Et bah super. Mais ça me va. Hein. Si Rite de l'armée Cire est au prix à laquelle je la vois, ça me va largement. Je ne la vendrai pas à ce prix-là, mais si ça peut me permettre de me payer un display, je dis pas non. Bien évidemment. Et exauceur à Sophiel, oui, donnez-moi des exauceurs, allez-y. Je les veux. C'est un cœur psychique. On approche, il reste 5 boosters dans la première display. On va voir ce que ça veut dire. Pour l'instant, on a quand même plus d'exauceurs que de punk. Je viens de me maudire et j'ai une punk. Voilà, j'en étais sûr. Le karma. Toujours à écourter le karma. Irène. On va essayer d'avoir... c'est vrai, donnez-moi des ultra... Ultra jeton aventurier, collector jeton aventurier, ultra exauceur, collector exauceur. On va faire les collecteurs jeton aventurier, tant qu'à faire, à choisir. Double Stella. Parfait. J'ai aucune idée, évidemment, encore, comment je vais la jouer. 3 boosters dans le premier display, toujours pas de traces de collector. Petite collector, là. La dernière ultra, c'est une collector. Ou alors mieux, une collector et une ultra dans les deux derniers boosters. Non, ça je m'en fous. Je suis en double en plus maintenant. Carpe. Quoi ? Carpe montante ? Non, c'est pas ça. Si, carpe montante. Très bien. Allez, le booster. Un autre rite. Je veux bien un deuxième rite de l'armée, si en vrai. Mais en collector. Allez. Non ! Pas de carte punk. Eh ben on a eu des cartes punk. Hein. Quel dommage! Une espèce de... Ah, c'est le reflet bleu de mon décor, d'accord. Je comprends les voix. Je peux faire coucou. Ah non, c'est ici. Je fais coucou à moi-même, là, regardez. Je peux vite me checker le doigt. Check de l'eau, check de l'eau. Check de l'eau. Derrière, sur l'écran, bon, c'est à l'envers, normalement, comme vous le voyez, vous. Ah, côté normal. C'est peut-être pas à l'envers. Vous avez mon code Duel Master Duel, si jamais vous voulez m'ajouter. N'hésitez pas. Attendez, je me suis fait baiser, là. C'était le dernier booster de la display. Allô. Une. Deux. Je vérifie. Ah non, trois. Attendez, quoi? Ah mais oui, mais je suis bête. Hein, j'ai mal compté. C'est vrai que j'ai mal... Oui, oui, j'ai un... Ok, j'en ai eu 3, c'est bon. On passe à la deuxième display.
C'est là où est la collector. Alors, on veut un rite de la Ramésir, bien évidemment. J'avais oublié l'exhausteur que j'avais eu. Ou, je sais pas ce qu'il y a. Oui, Elis, donnez-moi de l'exhausteur, allez-y. Je prends. Et si pour le deuxième display, je posais à l'envers toutes les cartes, les secondes cartes. On va faire ça. Je la prends, je la pose. Et on regarde tout le reste. Toutes les rares. Et comme ça, on regarde le suspense jusqu'à la fin. Bon, du coup, ça fait mater les rares, mais bon, ça on peut parler. Alors, ça va vous? Est-ce que vous avez ouvert les grands créateurs? Oula. Est-ce que vous avez ouvert les grands créateurs et est-ce que vous avez réussi à avoir des cartes intéressantes? Alors, choper l'archétype que vous vouliez. Moi, pour l'instant, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir les cartes. Faut que je fasse gaffe parce que je ressente pas les petits détails de la collector. Je sais pas si ça sent réellement au toucher. On va dire oui quand même. Donc je vais la prendre par le côté, la mettre directement. Voilà, vous voyez, pas mal de rééditions. Arsenal Secret, c'est une bonne carte. Enfin, c'était une bonne carte. Imitation d'insecte qui est pas sortie depuis longtemps et puis hommage torrentiel, vraiment. Avoir plein d'hommages torrentiels en rare, c'est une très bonne chose. Ça part comme des petits pains, les hommages torrentiels. En plus, ça joue x3 maintenant. Il est loin le temps où hommage torrentiel était limité à 1. Et vous avez aussi Nyan Nyan, téléporteur d'urgence, maintenant qu'elle a été redélimitée. Bon, je ne sais pas que c'était un piège. Je crois pas qu'il y ait de piège en ultra. Donc dans le doute... je dis ça se trouve c'était une collector piège et je m'en suis même pas rendu compte. Ça serait très drôle. Allez, tac, tac, hop. Saucer Irène, Castel, Tracker Psychique, Exhausteur Capitel. Faut que je voie si toutes les exauceurs se jouent ou s'il y en a besoin que quelques-unes pour essayer de faire quelque chose qui tient la route. Je dis pas compétitif bien évidemment, mais un petit quelque chose qui tient potentiellement la route. Donc je pense qu'il faudra le splash avec autre chose. Parce que sinon, je pense pas que l'intérêt de l'archétype soit flagrant. Je sais que c'est en rapport avec les cimetières, dès qu'il y a quelque chose qui sort des cimetières en fait, qu'elles s'invoquent entre elles et font leur effet. Mais en soi, ça n'a rien de bien d'exceptionnel si on joue ça tout seul. C'est frustrant quand même là de se dire qu'on ouvre que des rares. Et là, on est juste en train de regarder des rares et qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Hop. Et au moins, vu que la vidéo est en entière, qu'il n'y a pas coupé, enfin, que je ne fais pas de coupure en soi, ça évite de se dire que potentiellement il y a la triche et qu'une collector, je l'ai glissé ailleurs ou je glisse une ultra du pas d'à côté. C'est l'avantage. Puis de toute façon, c'est ma chaîne. Et sur ma chaîne, eh ben, je fais ce que je veux. Voilà. Donc si j'ai envie d'ouvrir mon booster, ma boîte comme ça, je l'ouvre comme ça. Et je pourrais même essayer de voir d'ailleurs, vu que je sais pas évidemment si j'ai une collector ou pas, on pourrait essayer justement de toucher la carte comme ça là, pour voir si, si on ressent quelque chose sur toutes les cartes. Peut-être qu'avec un peu de chance, la collector se fera sentir. Ce serait incroyable d'arriver à trouver la collector juste par le toucher. Bon, ça demande des années d'entraînement, de touchage de cartes, bien évidemment. Hein. Je sais même pas si vraiment ça, on sentirait quelque chose. Bon, quand on aura révélé la collector, ce que je fais, c'est que je retournerai de suite. Et je verrai si au toucher, on arrive à sentir quelque chose, une petite différence... je la montre, mais sur celle-ci, j'ai l'impression d'avoir senti quelque chose, vous voyez. Je la regarde pas. J'ai l'impression d'avoir senti quelque chose. Ça se trouve, je me trompe, hein. Mais il y avait... J'ai ressenti un petit peu de choses sous mon doigt. Non, pas du tout, hein. Dans le doute. Vous savez quoi, le pire, le plus drôle dans l'histoire, c'est que je le saurais que... J'ai bien les retasser, les remettre droite, là. Je le saurais que quand je ferai le montage, si c'était bien elle ou pas.
Si j'en ai une, bien évidemment, si j'en ai pas, prenez-moi de l'olive. Mais ouais, là je sens rien. Je sais pas. Ça se trouve, je me trompe totalement. Hein. Ça se trouve, j'ai raison. Si j'ai raison, c'est incroyable. Si j'ai raison, vous savez quoi? Je fais pas de coupure. Je mets le montage, enfin, je mets la vidéo brute, comme ça. Ça évitera de penser que j'ai triché ou quoi que ce soit. Après, en même temps, si je sens une autre carte qui me paraît étrange, c'est pas normal. À moins que j'ai deux collecteurs dans la même boîte, mais... c'est quand même vachement improbable. Après, si ça arrive, tant mieux. Là, j'essaie de voir, en fait. Trop marrant de me voir toucher. Franchement, je ne sais rien, je me dis... Attends, je suis vraiment en train de caresser une carte. C'est ça quand on aime... quand on aime ouvrir des cartes. Bon, on essaie d'entrer en communion avec elles, on les caresse comme ça. Juste le doigt dessous, là. Ça peut être très sensuel, hein, un opening de cartes. Bon, sans rigoler, il nous reste 5 boosters avec ceux que je suis en train d'ouvrir. Donc, normalement, on a la collector, on l'a senti, hein, évidemment. J'ai pas de ressenti. Petit hommage torrentiel, là. Petit 20ème. Alors évidemment, ouvrir deux extensions, enfin deux boîtes de cette extension, si on n'attrape pas tous les jetons, enfin les cartes jetons aventuriers, c'est pas du tout rentable, je pense, vu le prix des cartes. À moins, je suis bien évidemment d'avoir une collector dans la boîte. Et encore, quand je vois le prix de certaines collectors, je suis même pas sûr que ce soit intéressant. Et la collector la plus basse, elle est à 15€. Et c'est justement l'ultra Insector. Je vais dire à quel point l'archétype n'est pas intéressant, enfin n'est pas intéressant, que n'intéresse pas pour l'instant. Non, vraiment, il n'y en a vraiment qu'une pour le moment. Ça se trouve, je me trompe. Hein. Elle était même pas collector, mais c'est la seule. Et j'ai senti une différence. Donc, peut-être que je me suis trompé ou pas. Mais en tout cas, j'ai senti une différence. C'est... En plus, vous, là, si vraiment c'était la collector, vous le savez. C'est-à-dire, vous le savez que j'ai la collector. Moi, je le sais pas. Non, elle est là. Elle est 100% là. Ça, c'est une collector. C'est une collector. Au toucher, c'est tellement différent. Donc je vous la montre, je la regarde pas, c'est une la collector, elle est là, je vous jure qu'elle est là. Ça c'est une collector, vous la voyez, regardez-la bien, c'est la collector, ok. Je la regarde pas, je la baisse, on la regardera tout à l'heure, mais c'est la collector. Et là, c'est l'autre c'était pas une collector, c'est sûr, mais celle-ci c'en est une. J'ai aucune idée de ce que je viens d'avoir, hein. Je répète, je sais que c'est la collector parce que j'ai senti tous les petits reliefs dessus, je l'ai senti sous le doigt, j'ai aucune idée de qui elle est, mais c'est la collector, on sait qu'elle est en avant-dernière du coup. Donc vu qu'on sait qu'elle est en avant-dernière, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre. Je vais la protéger. Sans la regarder. Et on la regardera à la fin. Je vais juste faire attention à bien la... Voilà. Ça, c'est la collector. Voilà. J'ai enlevé du coup, là. Non, j'ai pas enlevé. Non, j'ai pas enlevé, parce que là, c'est... Ça, c'est une rare. Non, c'est pas une rare, ça. Trop parce que je suis tout excité. Je sais que j'ai une collector, je suis tout excité. Donc la collector, je la laisse, on va regarder le reste. Allez, c'est parti. Alors, une carte punk. Une carte punk. Exaucer Sophia. C'était Sophia qu'on avait eu ou quoi? C'était Sophia. J'ai deux Sophia. Bon bah cool. Enfin cool, oui, non. Exaucer à Sophia, à Sophiel. Exaucer Vadis, troisième. Exaucer Vadis, quatrième. Hélice, je l'ai déjà eu, je crois. Alors, Libellule, je m'en fous. Aventure Fatidique, c'est la deuxième carte. C'est la deuxième carte jeton aventurier qu'il faut absolument. Et Aventure Fatidique, elle est. Ah, non, ça c'est la collector. Aventure Fatidique, elle est là. Et en Ultra FR. Ah, ça va, elle est un peu plus basse. Celle-ci, apparemment, elle tombe quand même un peu plus. Elle est à 7€ en prix d'entrée. 7€ prix d'entrée. Les risques de la remission, je vais pas vérifier. Ah, elle a 109 balles, ouais, d'accord. Mais bon, c'est cool, donc ça fait déjà deux ultras. Punk, on m'en fout. Ça, c'est cool, on est content de l'avoir. Ça, on s'en fout. Ça, j'en ai déjà 25. Ça, je m'en fous. À Sophiel encore. Punk. Pico Falena.
souffle de la résurrection. Du coup, je regarde le montage pour savoir c'est quoi Asophiel encore. La carte que j'ai confondue et que j'ai pensé que c'était un wagon. La carte que j'ai confondue et que j'ai pensé que c'était un. Une collector. Picofalena. Libellule. Allez, maintenant on va aller de la collector. J'espère qu'elle est bien. J'espère vraiment que j'ai pas. Attends, je regarde les collectors. Alors, j'aimerais bien avoir Rite de l'Armée sur Samba. L'Enchantresse de l'eau du Temple Samba. Assaut Solennel Samba. Hommage Torrentiel Samba. Téléporteur d'urgence Samba. Une Exhausteur Samba sans plus. Aventure fatidique Samba. Exhausteur Sophia, non, j'en ai trop. Par contre, du punk, non. Il y a beaucoup de punk. Du coup, ça remplace Ultra. J'ai pas envie. Ah, en vrai, trop bien. Yeah! Téléporteur d'urgence en collector, en prix d'accès, elle est à 45. Ouah, ça va. Je vais la sortir de la pochette au moins pour qu'on voie la brillance. Mais vraiment, on ressent les petites particules quand j'ai touché. Là, vraiment, on ressent bien les petites particules. Du coup, j'ai mis mes gros doigts bien dégueulasses sur la carte. Mais vraiment content d'avoir eu ça en collector. Ça va. Vraiment, je suis content. C'était un bon opening pour le coup. Je suis vraiment content d'avoir eu une petite collector. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet opening vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du fait d'ouvrir la boîte dans l'autre sens. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce système d'ouverture. Et puis, si jamais ça vous a plu. Sur ce, moi c'était Jav, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.